Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous partager mes cadeaux de Noël. Comme chaque année, je vous fais cette petite vidéo et généralement vous l'aimez bien. Donc je me suis dit pourquoi pas leur montrer rapidement, puisque j'ai pas eu beaucoup de choses, puisque voilà, je trouve pas l'intérêt à posséder beaucoup de choses qu'au final je ne vais pas utiliser. Je n'ai rien eu de cheval, puisque généralement les choses de cheval, je les achète directement quand j'en ai besoin. Et voilà, dans ma famille, on est plutôt à acheter directement quand on a besoin plutôt que d'attendre l'anniversaire ou Noël. Vu que moi, ben, je suis d'octobre et Noël, voilà, en décembre. Donc généralement, voilà, quand j'ai besoin, on l'achète. Et en soi, j'avais pas besoin de beaucoup de choses à Noël, donc j'ai pas demandé beaucoup. Alors, première chose que j'ai eu un manteau. Les manteaux, c'est un truc que j'aime bien puisque ça habille et puis en fonction de comment vous vous habillez, ben, ça habille, ça fait vraiment bien quand vous sortez. Donc j'ai eu un manteau comme ça. C'est un peu, vous savez, c'est des matières toutes douces. Voilà, comme ça. Bon là, on dirait plutôt, ça ressemble pas à grand chose. Voilà, il est comme ça et tout doux. Je l'ai en S parce qu'il est taillé assez large. Il est pas vraiment. C'est pas un manteau qui colle au corps, il est plutôt loose. Vous savez, c'est une matière assez. Plus qui taille assez large. Du coup, c'est super confortable. Ensuite, j'ai eu une bouteille d'eau recyclable. Vous savez, ça devient la mode de plus en plus en France. Normalement, j'ai une mise au point qui ne se fait pas, donc j'espère que la vidéo va être bien quand même. Voilà, une bouteille d'eau recyclable, puisqu'en France, on utilise encore beaucoup de bouteilles d'eau en plastique. Puisque, en fait, en France, j'ai l'impression que remplir sa bouteille d'eau au robinet, c'est un peu genre t'es pauvre. Alors qu'aux États-Unis, c'est totalement normal et il y a des fontaines à eau partout. Voilà, en France, on a encore besoin d'évoluer un petit peu en mentalité, surtout que, ben, clairement, on jette énormément de plastique et je suis contente d'en avoir une parce que j'ai déjà une tasse, vous savez, des tasses hermétiques où tu peux mettre du café dedans. J'en ai déjà une, mais je n'avais pas pour l'eau, donc je suis contente. Ensuite, j'ai eu donc quelque chose de très utile, un parapluie, un tout petit parapluie en fait que je peux mettre dans mon sac de cours, puisqu'il pleut souvent en Normandie. Le plus souvent que je peux, j'essaie de marcher. Du coup, c'est bien d'avoir un petit parapluie pour ne pas finir mouillé. Voilà. Ensuite, j'ai eu des bijoux. Donc, j'ai eu ces boucles d'oreilles là, que vous pouvez voir. Voilà. J'ai eu ces boucles d'oreilles là. Et j'ai eu le bracelet qui va avec. Le bracelet est comme ça. Voilà. Assez joli. Moi j'aime bien les bijoux, mais pas non plus les bijoux qui se voient trop. Un petit souci de mise au point de mon appareil photo. On adore. ouais, j'aime bien les bijoux, mais pas non plus les trop de trucs qui se voient. Les boucles d'oreilles j'aime bien, mais pas non plus trop longues et trop voyantes. Parce qu'après ça gâche le. Enfin. Je trouve après ça gâche un petit peu le charme. Et j'ai eu de la part de mon frère, j'ai eu un calendrier comme ça. C'est assez marrant, le concept est assez marrant. Il n'y a pas de mise au point, je suis désolée. En fait, je peux changer la date, le jour et le mois. Du coup, c'est intemporel, je peux le mettre comme je veux. Et ouais, je trouvais que c'était assez, assez sympa. Ensuite, j'ai eu un bijou de ma maman, mais je ne l'ai pas là. C'est une chaîne en or assez épaisse. Ma mère a la même et du coup, bah, m'a fait faire la même. Donc j'étais assez contente puisqu'en plus de ça, elle me colle assez bien au poignet. Du coup, ça ne c'est pas dérangeant pour travailler ou même pour écrire. J'ai eu un bon pour me faire les ongles. Vous savez que quand je suis à l'hôtel, il faut que je les ongles faits. Donc voilà, je suis contente parce que c'est toujours pratique. Et j'ai eu de l'argent aussi, bien sûr, évidemment, tout le monde a eu de l'argent, je pense, un peu à Noël. Et c'est tout, j'ai pas demandé beaucoup de choses puisque j'ai déjà tout ce que j'ai.
Et généralement, voilà, quand j'ai besoin de quelque chose dans l'année, mes parents me l'achètent. Et je préfère que mes parents m'offrent des billets de train pour aller à Paris, pour aller à Rennes, pour aller à Lyon, ou pour voyager tout simplement, puisque je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir, c'est pouvoir voyager, découvrir le monde et s'enrichir. Et c'est toujours, enfin, pour moi, ça a beaucoup plus de valeur que juste avoir des nouveaux rouges à lèvres et des nouveaux jeans. Donc voilà, j'espère que vous avez été aussi gâtés que moi. Franchement, moi j'étais super contente, j'ai passé un super Noël. C'était super plaisir de pouvoir être avec sa famille. Et c'est vraiment des moments agréables. Voilà. Je vous souhaite une très bonne année 2020, puisque je ne vais pas reposter de vidéo avant le 1er janvier. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur pour ces nouveaux vœux. Plein de tout. Tout est possible. Donc je vous souhaite même l'impossible, puisque voilà, faut se dire que tout est possible dans sa tête pour que ça arrive. Et voilà, je fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bye!